Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien. J'ai reçu aujourd'hui ma commande. J'ai eu du mal, normalement, à l'heure de venir beaucoup plus tôt, à 14h, entre 11h et 14h. Et je vais baisser un peu sa manette de livre. Voilà, désolé, hein. Vous voyez, un peu comme un direct, mais ce n'est pas un direct. Bon, on va commencer avec le premier album, le Blues Brothers. Voici. Alors, là, c'est, j'ai rien à dire, c'est vraiment ce que je voulais. Donc, qui est génial, c'est magnifique. Couleur bleue, son vinyle. En plus, ils ont gardé la maison de disque qui est officielle. Ah, c'est pas... ils n'ont rien changé du tout dessus, à part juste colorer le disque. Alors pour les images, pas changé non plus, c'est ça que je trouve excellent. Donc ici normalement c'est une pochette blanche, mais maintenant ils ont mis une pochette noire, je trouve que c'est même très bien. Voilà, pour mieux protéger le disque, tout ça c'est excellent. Donc bien sûr, les meilleurs titres des Blues Brothers, façon de parler parce que ça appartient au film. Les Blues Brothers, quand je dis meilleurs, c'est vraiment les titres, ils sont vraiment là. Vous voyez, il y a Red Gisha, il y a Rita Franklin, il y a les Blues Brothers eux-mêmes. Voilà, il y a vraiment des artistes qui sont bien dedans et vraiment canon comme vinyle. Donc, je l'ai déjà eu ce vinyle, c'est pour ça que je récupère ce genre de vinyle. Ça ne me dérange pas qu'il a été réédité, quoi que ce soit, je m'en contrefiche. Ce qui m'intéresse, c'est la bande-son. Le reste, voilà, c'est pas le plus important. Alors, je vous présente la fièvre du samedi soir avec les Bee Gees. Petit, un très très bon vinyle. Donc vinyle, rien à dire là-dessus. Hein, ça pas, on va pas chipoter. Voilà. C'est un double vinyle, voilà, noir, mais attention, regardez qu'est-ce que ça a changé. C'est tout simplement ça, ça a changé, c'est plus en rouge. Vous voyez, pour ceux qui connaissent très bien ce vinyle, ici c'est rouge avec un genre de mammouth, ou éléphant, je ne sais plus, ou hippopotame, je ne sais plus ce que c'est comme dessin, mais je sais que c'est un dessin comme ça. Et il n'y en a plus, voilà, c'est plus du tout, voilà, c'est plus... c'est directement maintenant Universal, point barre, et voilà. Ils ont pu respecter le dessin officiel, donc ils ont pu respecter le dessin officiel de... Ouais, bah voilà, c'est tout simplement, ils ont... C'est niette, quoi, ils n'ont pas gardé ce qu'était l'original, voilà, tout simplement. Donc, double album, ça, là-dessus, et voilà, tout simplement, hein. Alors... Les photos, ils ont gardé ça, il n'y a pas de souci, ils ont bien gardé la structure du disque, mais pas les macarons, les macarons ne sont pas comme ça, ils n'étaient pas comme ça du tout, donc un petit regret là-dessus, hein, un petit regret, mais qu'est-ce qu'il y a dedans le plus important, c'est le son, la bande de son, c'est elle le plus important de tous, voilà. Tous les deux viennent du même fournisseur Fnac, .com, donc voilà, je l'ai récupéré à la Fnac, qui est beaucoup mieux. Hein, comment dire, les Blues Brothers, qui m'a coûté 19,99€, voilà, je vais y arriver, et celui-ci 20€, voilà. 20,99€, donc on va dire en gros 21, quoi, c'est comme si c'était 21, pareil, donc je devrais être 20€. Mais bon, c'est pas grave, moi ça m'a pas dérangé, c'est ce que je recherchais. Donc voilà, j'ai reçu très tard, hein, je m'attendais plutôt à vers 14h, bon bref, hein, ce n'est pas trop grave. Voilà, les deux vinyles, les deux que j'attendais. Par contre, ils ont très bien gardé beaucoup de choses, mais voilà. Moi, je voudrais bien que ça, quand on fait une réédition, qu'on garde au moins les bases de l'édition, quoi, de l'ancienne édition. Comme ça, au moins, ça fait un charme du disque en lui-même. Voilà, et ça, c'est des disques qui ne vaudra rien, quoi. À la base, ils ne vaudront rien parce que c'est des disques qui n'ont aucune cote. Voilà, mais ça, c'est pas le plus important pour moi. Le plus important, moi, je ne suis pas collectionneur. Comme je vous ai dit, je suis disque jockey, donc j'ai rien à voir. Donc, j'achète ces disques-là parce que je fais un rattrapage de mes anciens disques que je n'aurais dû jamais donner. Voilà.
J'ai même récupéré, vous savez, John Travolta avec Grease, l'album Grease, et ça m'a fait un grand plaisir de l'avoir. Voilà, un peu en piteuse d'état, faut le dire, parce que la pochette n'était pas très bien nickel. Donc j'ai décidé de dire, tiens, j'aime bien Iben, les Iben sont sympas, mais voilà, il y a des petits trucs, de temps en temps c'est de l'occasion qu'ils vont te vendre les yeux de la tête le disque, et qu'en fin de compte ça vaut pas du tout le prix, surtout que c'est des disques qui a été édité, oup, X, pour vous dire, parce que Grease, il a été édité au moins 40 000 fois, jusqu'en 90, hein, qu'il a été réédité. Aujourd'hui, il vaut 25€ le disque du Grease, et là, je suis pas d'accord du tout. Moi, je pense que la Fnac, le Grease, ils le vendront dans les dans le même prix que celui-ci, 20€, quoi. Celui-ci, là, tout simplement. Le même prix, mais Auchan, eux, ils sont bizarres. Donc, ils se disent moins cher, mais en fin de compte, ils sont aussi chers qu'un disquaire. Voilà, ben voilà ce que je voulais vous dire, vous faire présenter deux vinyles, des très très bons disques reconnus, hein, reconnus bien dans le domaine musical, un du disco. Maintenant je vais essayer de bientôt, très bientôt, parce que je pense que j'aurai des micros à récupérer le mois prochain, j'aurai des micros, j'aurai quelques trucs à faire, donc je vais essayer de voir comment je vais planifier, parce que le vinyle, ben, je crois que je serai obligé de prendre un autre, avec un autre système, et je vais essayer de l'avoir de temps en temps, mais j'essaierai d'avoir surtout un vinyle qui est particulier, qu'il faut que je retrouve. C'est les vinyles de Village People. Voilà. Je voudrais prendre soit le Best of, ou soit les meilleurs morceaux. Donc, le morceau de l'album qui a bien cartonné de Village People, ou à l'MCA. Ça, c'est quelque chose de magnifique. Donc, je vais voir, je vais attendre un peu. Et voilà. Donc, j'ai mis une petite style un peu derrière pour être un peu. Voilà, ça pour changer un peu, parce que toujours. Moi tout seul parler. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. À la prochaine vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.